personnellement, je reprendrais Franck, il a des problèmes avec ses vélos. Toujours, en même temps, il a jamais fait la chaîne Franck. Il est assez physique. Genre, je crois qu'il est en tout monapé ou quelque chose. Salut tout le monde et bienvenue dans cette deuxième biographie du collectif Bande Dessinée. Et à l'occasion des 10 ans du film Paprika, véritable chef-d'œuvre du cinéma d'animation japonais, qui a influencé entre autres le film Inception de Christopher Nolan, nous allons vous parler de son réalisateur dont le nom vous dit forcément quelque chose, Satoshi Kon. Et non pas Satoshi Kon pour les petits malins. Réalisateur unique en son genre, Satoshi Kon. Satoshi Kon du coup a laissé derrière lui une œuvre marquante de l'animation japonaise, de par sa qualité, son originalité et surtout les thèmes qu'il a abordés et que l'on va nous aussi aborder dans cette vidéo. Allez c'est parti, générique! Satoshi Kon naquit le 12 octobre 1963 à Kyushiro, sur l'île d'Hokkaido. Alors qu'il était encore au lycée, il découvrit le manga Domu de Katsuhiro Otomo, publié dans le Wikiyang magazine. Étant un grand fan du mangaka, il décida alors d'entamer une carrière de dessinateur. En 1982, il commença des études de design visuel à l'université d'art de Musishino, dans la banlieue de Tokyo. C'est à cette époque-là qu'il découvrit la littérature hyper réaliste et fantastique de Yasukata Tsutsui et le cinéma américain qui va grandement l'influencer par la suite. En 1985, il dessina son premier manga, Toriko, qui fut récompensé du prix Tetsuya Shiba, d'excellence pour débutants. Ce qui l'amena par la suite à travailler avec Katsuhiro Otomo en tant qu'assistant sur son manga, Akira. Parallèlement à ça, il publia une histoire courte, Picnic, dans la partie Akira's World, écrite par Konosha et qui fut alors publiée avec la version finale d'Akira. Rendant ainsi hommage au manga culte, tout en retranscrivant la même ambiance et en installant l'intrigue à la même date, Satoshi Kon y décrivit un Tokyo futuriste, s'étant retrouvé sous les eaux suite à l'inondation de l'ancienne ville par des eaux polluées. Il fit alors d'Akira sa principale référence, l'œuvre de Katsuhiro Otomo décrivant lui aussi un Néo-Tokyo qui n'est autre que le résultat d'une bombe nucléaire qui s'est abattue sur l'ancienne ville. Cette histoire, la seule dessinée en couleur, bordel que c'est beau, fit partie, avec 14 autres histoires courtes, d'un
recueil intitulé Dream Fossil. Satoshi Kon aborda dans ses histoires, et avec un certain humour, les thèmes que l'on retrouvera plus tard dans ses films, et particulièrement dans Tokyo Godfathers, à savoir l'enfance, la famille, le fait d'être parent, et aussi les questions que l'on peut se poser étant adolescent, l'amitié et le passage à l'âge adulte, sans compter le rapport qu'il entretient avec son pays d'origine, au travers des traditions et de la nature, ne se privant pas aussi d'aborder les thèmes qui feront plus tard sa marque de fabrique, à savoir l'imagination et la psyché humaine, notamment avec des histoires de spectres, de fantômes, ou encore de sociétés manipulant mentalement de jeunes adultes pour qu'ils deviennent de bons citoyens. Toujours épaulé par son mentor Katsuhiro Otomo, Satoshi Kon participa en 1987 au film live World Apartment Horror, dont il fit une adaptation en manga. En 1991, il fit ses premiers pas dans l'animation en tant que concepteur des décors sur le AV Routine Z, projet qui lui permit de se former, grâce encore à Otomo, au métier d'animateur. Par la suite, il fut amené à travailler sur divers projets, dont le Pat Labor 2 de Mamoru Oshii. Ce dernier lui proposa de travailler avec lui sur le manga Seraphim. Mais suite à l'échec de son manga Opus, qui se retrouvera inachevé à cause de la faillite du magazine dans lequel il était prépublié, Satoshi Kon décida finalement d'arrêter le manga et de se consacrer entièrement à l'animation. En 1995, il travailla en tant que designer des décors et scénariste sur le segment Magnetic Rose du film Memories de Katsuhiro Otomo. Deux ans plus tard, on lui donna l'occasion de passer à la réalisation avec son tout premier film Perfect Blue, tiré d'un roman de Yoshiketsu Takeuchi. À partir de ce moment-là, il travailla régulièrement avec son co-scénariste Sadayuki Murai sur le principe de réalité subjective, notamment avec l'histoire qu'il entretient avec le Japon et particulièrement avec le cinéma japonais. Ses films Perfect Blue, Millennium Actress et Paprika formeraient alors à eux seuls une trilogie. Dans Perfect Blue, il est question d'une chanteuse très populaire de la pop qui souhaite devenir actrice, mais qui va bientôt subir la colère de l'un de ses fans et tomber petit à petit dans la schizophrénie tandis que les cadavres s'accumulent autour d'elle. Dans Millennium Actress, il s'agit, comme l'indique le titre, d'une actrice légendaire qui a entretenu, au cours de sa carrière, une relation amoureuse avec un réalisateur ayant découvert une mystérieuse clé lui appartenant. Et enfin, dans Paprika, on a affaire à quelqu'un qui voulait devenir réalisateur et qui va du coup se retrouver confronté à ce soi-disant traumatisme à travers ses propres rêves. Ayant comme principales inspirations les livres de Philip K. Dick au niveau de la psychanalyse, les films de Terry Gilliam pour tout ce qui a trait au monde de l'imagination, ainsi que l'humour de Buster Keaton, Satoshi Kon aborda entre autres, dans ces trois films, les thèmes de la représentation de l'image dans la société et aussi de la dualité psychologique, et qui nous a littéralement bluffé lors de l'événement qui lui était consacré durant toute une nuit au Max Linder. Est-ce que vous connaissiez Satoshi Kon avant d'aller à cet événement ? J'en avais entendu parler, j'avais vu aucun de ses films et je m'étais pas renseigné plus que ça sur sa biographie ou sur ce qu'il faisait. Je connaissais Satoshi Kon depuis de nombreuses années parce que j'ai découvert Perfect Blue en salle en France quand il est sorti. Moi ce que j'aime bien c'est qu'il arrive à diversifier les mondes dans lequel il raconte ses histoires et le contexte, et ça c'est plutôt sympa. L'intérêt qu'il a pour tout ce qui est de la psyché humaine, qu'on retrouve soit dans les dérives qu'elle peut avoir, soit même en termes d'imagerie. Il y a souvent en fait des éléments qui se croisent, qui n'auraient pas dû se croiser, ou alors que n'importe quel prof de scénario dirait que c'est impossible, invraisemblable, et lui arrive à les rendre sinon plausible, du moins désirable. Et il a souvent comme ça une notion de chassé-croisé absolument invraisemblable qui fait la force de son œuvre. On trouve ça beaucoup dans Tokyo Godfathers, mais aussi dans Paprika. Et je dirais que les deux ou trois derniers épisodes de Paranoia Agent ne fonctionnent que là-dessus, sur des croisements, sur des personnages qu'on a vus au fil des épisodes qui deviennent totalement évidents à la fin. Et du coup, après avoir ces trois films, est-ce que t'as un film Alors maintenant, je pourrais vous dire que c'est Tokyo Godfather. Son côté bonne humeur et qui est vraiment facile d'accès et qu'on peut voir, je pense que c'est peut-être celui de sa carrière qu'on peut voir le plus tôt. Je dirais Perfect Blue. J'ai moins accroché à Tokyo Godfather pour le propos général du film. Et la fin de Paprika m'a un peu laissé perplexe. S'il y en a vraiment un sur lequel j'accroche plus, c'est Perfect Blue, qui reste fidèle et qui se rejustifie à la fin. Réalisateur d'animation pas comme les autres, rempli de paradoxes que l'on retrouvera dans ses films, Satoshi Kon jouait sans cesse sur les jeux de miroir, non seulement entre la réalité et la fiction, le réel et le virtuel, mais aussi, et comme l'a si bien dit Mr. Loris, entre les différentes personnalités de l'âme humaine, notamment dans ses films Perfect Blue et Paprika, où les personnages féminins se renvoient sans cesse leur reflet. Blagueur, voulant tout faire lui-même et tout contrôler, il écrivait, dessinait les storyboards et élaborait le caractère design des personnages, reflétant ainsi son petit côté gamin immature. Côté gamin immature qu'il arrivait à retranscrire, selon moi, au travers du personnage de Tokita, dans son tout dernier film Paprika. Un scientifique obèse, au caractère puéril, mais qui se révèle être un putain de génie, ayant carrément inventé la DC Mini, une machine permettant d'entrer et d'analyser les rêves des gens. La classe, non ? Ouais, je sais, j'ai tendance à me répéter. Pour vous donner un exemple, prenons lequel la musique. D'habitude, dans le domaine de l'animation et du cinéma en général, la musique est composée et adaptée par rapport aux images qui ont été créées. Mais avec Satoshi Kon, c'était carrément l'inverse. En effet, selon son compositeur fétiche Suzumu Hirazawa, Kon voulait plutôt adapter ses images à la musique qui était déjà composée avant, ce dernier étant avant tout un grand passionné de musique. Ah bah tiens, c'est l'occasion pour moi de vous parler un peu plus de Suzumu Hirazawa. Alors, né à Tokyo en 1954, Suzumu Hirazawa entra dans le monde de la musique dès 1979 en tant que membre du groupe P-Model, et devant
devint une figure centrale du mouvement technopop nouvelle vague. Son premier album, Jikunomizu, l'eau de l'espace-temps, sortit en 1989 et il commença à partir de là à travailler en solo. Il se distinguait en utilisant des sons qui n'appartenaient à aucun style de musique, créant une musique totalement originale en y rajoutant des emphases sur les vocales, tout en rassemblant le passé, le monde de la mythologie et du folklore, et le futur, le monde de la science-fiction et des ordinateurs, avec le présent. Il a composé, entre autres, les musiques des films Millennium Actress et Paprika, ainsi que celles de la série Paranoia Agent, et aussi des musiques de jeux vidéo. Kon a donné à Arazawa, avec qui il se sentait très connecté, une sorte de cristal composé de deux cubes faits de matière minérale, formant une figure géométrique assez singulière. Kon appréciait cette figure car selon lui, elle contenait plusieurs aspects permettant à celui qui le regarde de s'imaginer une vision plus spirituelle du monde. Le nouvel album d'Irazawa, Engen Kinzai, contenait la chanson dont le titre a inspiré Satoshi Kon pour son tout dernier film Dreaming Machine, qui est apparemment toujours en stand-by. Car il faut qu'on vous dise quelque chose de très très douloureux, Satoshi Kon nous a quittés à l'âge de 46 ans suite à un cancer du pancréas, n'arrivant pas du coup à terminer son film Dreaming Machine. Et les producteurs de son film avaient dit qu'ils mettraient tout en œuvre pour que le film voie le jour et jusqu'à présent ça n'a pas été le cas. Je ne sais pas où ça en est, je ne sais pas si le studio Madhouse essaiera un jour de le terminer et de mener le projet à bien. À sa mort, il a fait publier une lettre posthume à ses fans et quand je l'ai lu, j'ai pleuré à chaudes larmes. C'était très émouvant. Il parle de comment il a découvert sa maladie, comment il n'en a pas parlé à ses parents, comment il a coûte que coûte essayé de voulu travailler, il a essayé de travailler sur son dernier film. Satoshi Kon, à travers ses multiples chefs-d'œuvre, nous a montré que la vérité que nous connaissons tous ne peut être qu'une illusion et aussi que la personne que vous êtes n'est peut-être, tout simplement, qu'une des nombreuses facettes de votre véritable personnalité. Bon nombre de films de nos jours ont pour référence les films de Satoshi Kon. En particulier, comme nous l'avons dit dans l'intro, Paprika pour le film Inception de Christopher Nolan, qui aborde lui aussi la limite entre rêve et réalité, et aussi Perfect Blue pour le film Black Swan de Darren Aronofsky, montrant le parcours d'une danseuse, Nina, qui, à force de persévérer et de réussir dans ce milieu, va découvrir son côté sombre et s'y abandonner petit à petit. Découvrez-le si c'est pas encore le cas, et ouais, propagez Satoshi Kon partout parce que c'est pas vraiment le plus connu des réalisateurs asiatiques et il vaut vraiment le détour. Tiens, pendant qu'on y est, je vous invite à aller regarder la chaîne du bonhomme que vous venez juste de voir, qui est super intéressante et ses vidéos méritent clairement le coup d'œil. Ainsi, pour celles et ceux qui veulent en savoir plus sur le monsieur CON, je vous mets dans la description deux superbes livres, dont le recueil Dream Fossil, et qui vont aussi vous permettre d'améliorer votre niveau en anglais. En attendant, j'espère qu'au niveau du débit, ça n'a pas été trop rapide, vu que c'est quand même la principale remarque que vous m'avez faite après la biographie sur Émile Reynaud. Donc du coup, j'espère que je me suis amélioré là-dessus. En tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire des retours, c'est vraiment open bar. Sur ce, on espère que vous avez bien démarré l'année 2017, et on vous donne du coup rendez-vous pour de nouvelles vidéos incessamment sous peu. Allez, salut les gens!